quand Wonder Woman reboot l'univers DC. Dans les deux numéros de Future States Immortal Wonder Woman, on retrouve Diana Prince bien longtemps après l'âge des héros. Alors que bon nombre de ses sœurs Amazon et de ses amis ont disparu, la déesse immortelle comprendra au travers d'un message que les étoiles lui livreront qu'une catastrophe est proche. Catastrophe que l'on appellera The Undoing, ou traduit littéralement l'annulation. Et cette catastrophe frappera pour la première fois sur la planète de Darkseid, Apocalypse. Ce qui n'effraiera pas le colosse, bien que cette catastrophe lui prendra ses enfants. Et avant de connaître une fin inéluctable, l'ancien dieu décidera de prendre le chemin de la Terre afin d'y affronter une dernière fois les héros qui lui ont souvent privé de victoire. Et alors qu'il approchait de la Terre, c'est un Superman au trait âgé qui lui barrera la route une dernière fois. Et c'est au terme d'un sublime combat que l'homme d'acier se sacrifiera en emportant avec lui Darkseid ainsi que le Soleil, son geste étant motivé par le fait que la Terre était définitivement perdue à cause de l'annulation. Et c'est ainsi que Wonder Woman deviendra l'unique lueur dans un univers détruit par l'obscurité et le néant. Et c'est dans un ultime effort qu'elle utilisera ses pouvoirs pour recréer un univers composé de nouveaux dieux et ainsi créer le renouveau de son univers. Et c'est sur ces belles paroles que je t'invite à t'abonner, c'était Petit Thanos, je te fais des bisous, peace.